Alors Pierrick, on peut dire qu'aujourd'hui c'était quand même ton épisode. Ouais, celui-là, je le voulais absolument. Il n'y a pas 10 000 motos qui m'ont fait rêver dans ma jeunesse, tu sais. Il y a eu évidemment la 500 RC que Dave Thorpe, c'était mon idole à l'époque en Grand Prix 500, roulait. Mais il y avait aussi celle du français, Jacky Vimont. Jacky a récupéré une moto qui n'a duré que 2 ans. Une moto d'usine incroyable, parce que si tu veux, elle est arrivée, elle est repartie, et ça a été quasiment le seul à rouler avec cette machine 100% usine. Quand je dis 100% usine, je pèse mes mots parce qu'elle n'est jamais sortie en série. Rien n'est sorti en série. Ni le cadre, ni les plastiques, ni rien. Il n'y a même pas eu une évolution, il n'y a même pas eu une utilisation. C'était, j'ai envie de te dire, c'était une sorte de masterpiece, tu vois, que genre les ingénieurs se sont fait plaisir pendant 2 ans. Elle s'appelle la 500 YZM. Donc on est d'accord, cette moto n'a jamais été à vendre. Personne ne pouvait l'acheter. Non. La seule trace que j'ai retrouvée de production, ce serait que les côtes du cadre auraient servi à fabriquer la 2,5 YZ de 1989. C'est la seule chose que j'ai trouvée. Mais je te le dis encore une fois de plus, ni les couleurs, ni les matériaux, rien n'a été utilisé. Pire encore, ils ont même arrêté quasiment la production des 500, tout court. Après cette moto. Comme si ça avait été le Saint Graal, tu sais, l'apogée, le sommet de la montagne, et ils ont arrêté après. Alors, est-ce que tu as une idée du nombre de motos qui ont été produites? Alors, évidemment, c'est plutôt dans ce genre de moto, on ne produit pas des motos. C'est-à-dire qu'ils ont dû sortir 15 cadres, ils ont dû sortir 20 bras oscillants, ils ont dû sortir à peu près 30 moteurs, et si tu veux, tout était monté dans les ateliers pour faire la course, tout était redémonté. Donc, c'est pas une moto qui arrive en caisse. La moto, elle arrive, si tu veux, pièce par pièce. Elle a été assemblée à la demande pour le besoin des pilotes, en fin de compte. Exactement. Donc, historiquement, il faut revenir en arrière. Donc, 83, Håkan Carlqvist fait triompher Yamaha dans la catégorie N, les Grands Prix 500. Donc, il est équipé d'une 490 avec un refroidissement à air. On est en 83, il n'y a rien de fou. Donc là, tu me parles de l'épisode de la 490. Oui, qu'on a mis ici, je remets le lien. La 83 était meilleure, hein. Les biellettes, les freins, mais ça restait une 490 avec un refroidissement air. Håkan Carlqvist gagne avec, et si tu veux, s'ensuit derrière, on va dire, un énervement de tous les constructeurs. Honda, qui sortent des motos d'usine de fou, avec refroidissement liquide, avec le réservoir qui descend super bas, avec des pompes à essence à l'intérieur, avec 2 disques, un à l'avant, un à l'arrière. Ils mettent la barre, mais super haute, avec des motos pareilles, qui ne sont absolument pas produites en série. Kawasaki qui met le paquet également. Et on se retrouve en 86, avec tout le monde qui a des motos de fou, et notre Håkan Carlqvist, qui a une moto quasiment la même que la 82 qu'on a essayée. T'imagines, refroidissement avec des ailettes. Enfin, je veux dire, on était sur une moto qui avait quasiment 10 ans, 15 ans en arrière. Et le grand Suédois, si tu veux, en a fait baver des vertes et des pas mûres à tous les ingénieurs. À chaque fois qu'ils amenaient un proto, ils l'enterraient, ils la recouvraient de sable, ils cassaient la moto exprès devant eux, parce que c'était pas au niveau. Håkan arrête avec Yamaha. Et si tu veux, Jacky Vimont, en 1986, est champion du monde 2,5. Il passe en catégorie reine. Et là, sous, évidemment, j'imagine, la pression de Jean-Claude Olivier, le patron de Yamaha France. À l'époque, c'était Sonoto Yamaha. Il distribuait Porsche et Yamaha. Il pousse, pousse, pousse. Et donc, la YZM est enfin produite. La première 500 cm3 liquide, avec les 2 disques, avec tout le matériel qu'on pouvait imaginer dessus. Elle est produite pour Jacky Vimont. Hélas, au moment de fêter son titre, il descend du toit du stadium, si tu veux, le câble casse, et Jacky tombe et se fracasse vertèbre, bassin. Il mettra énormément de temps à revenir, malgré un petit essai au mois de février à Castelnau-de-Davis, il ne revient quasiment que pour le Grand Prix de Suisse, le dernier, et boum, il fait le podium avec cette YZM. Donc il n'aura pas trop profité, en fin de compte, de cette évolution qui était énorme pour Yamaha. Ouais, si tu veux, lui, il n'a pas pu en profiter la première année, donc en 87. Par contre, il y a 2-3 personnes qui en ont profité.
Alors, le pilote de l'époque, c'est Kurt Lundqvist, donc un Finlandais, tu vois, qui est proche évidemment de Amsterdam, qui roulait bien en Grand Prix 500 malgré tout, hein, qui met au point la moto. Il y a Leif Persson. Leif Persson arrive au Touquet et il le remporte avec cette YZM. Donc, c'est assez fou, tu vois. On sort de Eric Gebourg, qui l'a gagné quasiment 5 fois d'affilée, et là, boum, la Yamaha gagne, la nouvelle 500 YZM liquide gagne. Fin d'année. Vimont fait un podium avec, il repart sur le championnat 88, le couteau entre les dents, mieux préparé, et il arrive à gagner un grand prix avec, si je ne me trompe pas, c'était en Suède. Fin de l'année 88, fin du projet, et la moto part directement dans un musée. Avec la 500, la YZM. Donc là, autant vous dire que la chute peut coûter très très cher. Donc il n'a pas la pression du tout, Pierre. D'ailleurs, je vais tuer le suspense, je vais pas rouler. Franchement, je me sens pas. Là, tu tombes, tu plies un. En plus, le proprio, enfin, je sais pas si vous avez vu le souci apporté à la pose du scotch sur le cadre. Donc tu sens qu'il faut pas tomber quand même. Hein? Une moto évidemment plus du tout produite. Moto évidemment qui m'a fait rêver hein, quand j'étais gamin. La 500 YZM. Ça sent coupleuse. Bruit démoniaque. Évidemment, ça pousse, hein, c'est une 500. Mais vous le sentez, j'imagine, comment, hein, le filet de gaz. Freinage parfait, on est sur une moto d'usine. Hein. Donc les deux disques, hein, avant-arrière. Alors pour l'époque, c'est évidemment pas une nouveauté, ça venait de passer. J'utilise très peu hein, le haut régime, là je l'utilise un petit coup. Et vous savez, c'est même pas très efficace. Hein. C'est une machine qui devait se piloter debout sur les cantiers, sur le filet de gaz. La 500, c'est vraiment en bas. Donc on met une vitesse de plus et on enfile des recoupés comme ça. Vous voyez, on évite les trous. Dans un mouchoir. On a tourné ici avec l'YZF. Elle ne tourne pas moins bien. Précise. On est sur. On est vraiment sur la position d'une moto parfaite. Franchement, quel pied, mes amis. Ah oh là 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 là. Bah écoutez, la meilleure 500 que j'ai pu essayer. J'aurais mis un guidon plus haut, mais c'était fou. Elle est bluffante, hein. Tu sais quoi? Bah tu sais d'où vient la YZ, hein. C'est une étoile filante, c'est une moto qui avait toute la technologie sur elle. Alors évidemment, tout le monde est focalisé parce que c'est la première 500 cm3 liquide. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est que c'est le cadre alu. C'est quasiment le même cadre alu qu'il y a sur les YZ d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai que quand on regarde la moto, c'est assez dingue de se dire finalement qu'elle est de 88, parce que quand tu la regardes, le cadre, il a rien à envier à une YZ cadre alu à partir de 2005. Quoi. Ouais, et toutes, si tu veux, les innovations dessus mais sont incroyables. D'habitude, c'est un arrière de cadre en acier, tu sais.
Évidemment, les motos d'usine, elles avaient déjà l'arrière de cadre en aluminium. Donc tout le reste du cadre était en acier et l'arrière de cadre en aluminium. Là, tout le cadre était en aluminium, mais ils se sont dit, on va faire mieux que tout le monde. On va enlever la boîte à air et l'arrière de cadre pour ne faire qu'une seule partie. Donc si tu veux, le boîtier de filtre à air est en aluminium, il est branché directement sur le cadre et il fait office donc, de selle, d'arrière de cadre et de boîtier de filtre. Ouais, la pièce, elle est incroyable. La pièce est folle. Les freins sont fous, les carters sont en magnésium, le poids 102 kg sur la balance. Donc la moto, elle est belle, elle est racée, elle ressemble à une 2,5 YZ de l'époque. Non, elle est folle. Elle est folle, il n'y a pas de... Et puis surtout, elle est rare. Alors justement, pour qu'on se rende compte, hein, parce que moi, quand tu m'as dit on va essayer une 500 YZ, j'ai dit ouais, chouette, mais tu m'as presque engueulé, parce que tu m'as dit tu ne te rends pas compte, Raph, de ce qu'on va essayer, à tel point que c'est rare, quoi. Il y en a 5 dans le monde. Il y en a 5 dans le monde. Donc si tu veux, on a la chance que Pascal habite en France, dans la Meuse, et il en a acheté une. Il s'est fait un petit plaisir, comme il l'a dit lui-même, hein, c'est le prix d'une Porsche. Donc il y en a, ils aiment avoir une Porsche, puis ils la regardent ou ils roulent un peu avec. C'est le prix d'une Porsche, c'est-à-dire c'est vraiment le prix d'une Porsche. Ouais, d'une belle Porsche. Donc si tu veux, lui, il veut la garder dans son musée, mais il aime aussi aller sur des épreuves un peu vintage, si tu veux, pour l'exposer. Et son petit plaisir, c'est de temps en temps la faire rouler avec des stars. Arnaud de Mester a roulé avec sur une course vintage. Adrien Van Beveren a roulé avec sur l'Enduropal, tu sais, vintage le vendredi. À la Couronne, au mois de septembre, il y a le trophée Moreau. Et Doug Dubac, l'ancien pilote officiel Yamaha, va rouler avec. Donc si tu veux, quand on l'a contacté... Qu'est-ce que fout MX-Test au milieu de tout ça, j'ai envie de te dire. Pourquoi MX-Test? Parce qu'on n'a pas le palmarès de tous ces grands champions. Bah, tout simplement parce que faire un joli documentaire sur cette machine... la fera finalement passer à la postérité parce qu'il a une volonté, c'est finalement d'arrêter de la faire rouler. Parce que même s'il a un bras oscillant, un moteur complet, il y a un moment, les pièces vont devenir impossibles à retrouver et il va finalement la mettre dans un musée et elle ne roulera plus. Donc la faire rouler en image sous ton objectif, c'était pour lui, à mon avis, une étape importante. Du coup, tu vois, je suis flatté. Mais tu peux. Je me dis quand même, il a voulu que je filme sa moto. Oui, mais parce qu'elle est très très belle. On avait une lumière de fou, donc on était à Vinci. Donc merci au motoclub de nous avoir accueillis. On a le t-shirt d'ailleurs Vinci, t'as vu? C'est celui-là, le Vinci. Ouais, c'est le Vinci, celui-là. Et donc, on a pu tester sa machine. Alors, on a hésité, hein. Est-ce qu'on la teste? Est-ce qu'on lui rentre dedans? Ou finalement, est-ce qu'on fait juste des belles images? Bon, on a pu faire les deux, je crois. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel état d'esprit déjà tu abordes les premiers mètres, hein, parce que vu le soin qu'a apporté le propriétaire à la pose du scotch transparent pour pas abîmer le cadre, pour pas abîmer la déco, le réservoir, je me suis dit, Pierrick, il va pas partir le couteau entre les dents. Non, en plus le terrain est plutôt sec, on est l'été, donc faut pas glisser de l'avant, c'est sûr qu'il faut pas tout plier. Mais il a été plutôt sympa, il a dit c'est le jeu, hein, si elle tombe, c'est pas grave. Mais malgré tout, écoute, je pars tranquillement. Il faut savoir que les 500, je vais pas dire que c'est des motos de merde, mais si tu veux... Non mais c'est une ère révolue, il y a beaucoup trop de puissance, il y a très peu de traction. Enfin je veux dire, tu pars pas avec une 500 comme une 2,5F. Oui. Du coup, je pars, si tu veux, un petit peu cool. Ah, on t'entendait pas. Voilà. Et finalement, la partie cycle aidant, si tu veux, je commence à me libérer, je commence à attaquer, et on a fini même limite à faire des whips sur le saut d'arrivée. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, tout vient du cadre, Raph. Tout vient du cadre. D'habitude, tu sais, les 500, très courtes, très hautes, avec une moto qui gigote. Et donc, le fait que cette moto ait servi à faire la 2,5 YZ, ça ne m'étonne pas parce que je vais aller plus loin.
je ne pense pas que la géométrie est très différente d'une 2,5YZ d'aujourd'hui. Je suis monté sur la moto, si tu veux, tout de suite, j'étais bien. Le guidon un peu bas, si tu veux, très, très de l'époque, hein, mais tu mets un guidon à peine plus haut et tu es sur une moto moderne. Moi, je crois qu'il n'a pas trop envie. Hein. Non, 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 non. Alors, on a essayé de lui dire, hein, avec un guidon plus haut, elle sera encore mieux. Avec un écane plus haut, non ça... Non, il n'a pas trop voulu. Donc, au niveau du pilotage, j'ai été tout de suite bien. Je rentrais dans les dernières comme de rien. J'avais beaucoup de plaisir. Et le moteur, alors tu vas peut-être être déçu ou heureux, je ne sais pas. Mais en fait, ce 500, il est très doux. Même limite pas assez puissant. Donc, je pense que pour l'époque, pour contrer une 500 CR en sortie de grille, si tu veux, je pense qu'il en manquait. Donc, n'oublie pas que ce moteur n'a que 2 ans. Il n'a peut-être pas eu le temps d'être mis au point pour être aussi puissant que les autres. D'ailleurs, je sais que certains pilotes qui avaient cette moto, quand ils sont passés sur une autre marque après, avaient trouvé beaucoup plus de puissance, même dans la moto standard. Donc, moi, je la trouve justement très facile, très efficace. C'était le problème hein, de ce 500KX, de ce 500CR, c'est qu'on se battait avec. Là, je ne me suis pas battu. J'accélérais avec joie, j'accélérais sans trop de retenue. Alors évidemment, ça pousse. Hein. Je n'ai pas dit qu'elle n'avançait pas, mais la moto était vraiment exploitable. Mais tu vois, ça ne m'étonne pas ce que tu dis, parce qu'à l'oreille et à te voir du bord de la piste, sur le châssis qui soit très différent de la 82 qu'on avait essayé, je te crois sur parole, mais par contre, au niveau du comportement du moteur, j'ai retrouvé un petit peu la même chose à l'oreille. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de bas, ça se passait très bien jusqu'au mi-régime, mais que passer les mi-régimes, par contre, il n'y avait vraiment aucun intérêt de s'éterniser sur les rapports. Ça reste une 500. Donc, si tu veux passer le mi-régime, il faut shifter. Si tu ne passes pas la vitesse après le mi-régime, ta courbe chute et ce n'est plus très agréable. Donc, c'est vrai que tu restes avec le bas, mais le milieu, le coffre, quand même, il y en a un petit peu moins qu'une 500 CR. Oui, mais la 500 CR, quand tu ne la shiftes pas à la vitesse, on est d'accord que passer les mi-régimes, tu prends un peu la foudre. Oui, c'est vrai. Et bien là, non. Parce que tu sens une moto justement très facile à exploiter pour rouler dans des grands prix avec des trous énormes. Donc c'est bien vu. Enfin, pour moi en tout cas, c'est vraiment bien vu. Concernant le freinage, rien à dire. Pourtant, t'imagines, la moto elle a 20 ans. Mais alors, le mieux évidemment, c'était la conduite, l'embrayage avec un doigt. Il était, tous ceux qui savent ce que c'est qu'une 500, c'est pas le cas. Hein. Là, l'embrayage, un doigt, la poignée de gaz qui allait super bien. Tout était facile à son guidon, donc c'était vraiment l'opposé de ce qu'on a pu essayer en 500 jusqu'à présent. Donc j'ai vraiment été surpris par ça. Tu t'imagines, Raph, qu'il n'y a que 5 ans entre la moto de 82 qu'on a testée et celle-là? Oui, et alors là, quand on les voit les deux, c'est... on dirait qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Ouais, c'est incroyable. A shame, think something new. You can't take back them things you already done. No. You blame things that you do. Selon toi, si on avait pu faire ce jour-là un chrono avec une 82 et 7 YZM, tu penses qu'il y avait quoi? 10 secondes. Ah, 10 secondes? Ouais, minimum. Minimum, oui, donc le gap était vraiment énorme, quoi. Ce qui est fou, c'est de penser que très peu de pilotes ont eu la chance de rouler dessus. C'est à la fois top, puis à la fois dommage, parce que plusieurs pilotes auraient pu amener évidemment plus de développement, et on aurait pu voir à la limite, pendant quelques années, comme Honda l'ont fait avec Torp, Malherbe et Gebhurt, retrouver les Yam, si tu veux, sur le devant de la scène. Mais c'est pas grave, moi j'aime ce côté finalement étoile filante, la moto folle, qui est repartie aussi vite qu'elle est venue. Donc il y a un petit côté sentimental là-dedans et moi j'aime bien ça. Alors Pierrick, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que sur ce tournage, on avait invité les gens qui nous suivent à venir voir un petit peu comment ça se passe, un tournage MX Test. Et du coup, ils ont été servis parce que non seulement ils m'ont vu, ce qui est quand même pas rien, donc ils ont pu voir un peu comment ça se passait, puis c'est surtout qu'ils ont vu une 500 YZM rouler. Et donc du fait qu'il n'y en ait plus que 5 dans le monde, c'était quand même pas mal, quoi. Ouais, moi j'étais un peu frustré même parce qu'en fait, on voulait l'annoncer. On allait tester celle-là de moto et on aurait vu, à mon avis, beaucoup plus de fans venir. Fans de cette machine, hein, pas de nous. Mais le problème, j'avais peur que quelqu'un vienne avec un camion, un fusil, et puis dise, la moto, je la prends, je l'emmène. Donc, on n'a pas trop communiqué sur quelle moto allait rouler. Et j'aurais vraiment aimé dire à tout le monde, venez la voir, c'était une des dernières fois. Donc, pour ceux qui veulent la voir rouler, au mois de septembre, la couronne. Donc, cette moto va rouler avec Doug Dubac. Donc c'est vraiment super sympa, ça sera une des dernières fois que vous pourrez l'avoir roulé, donc n'hésitez pas.
Mais c'est vrai que c'était sympa ce petit côté public. Hein. On a pu discuter, ils ont pu nous dire ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas dans les épisodes. Et franchement, on a tous passé un bon moment. Le seul truc un peu chiant, c'est qu'ils se sont fait vraiment cramer sous le soleil. Hein. Ouais, il y avait beaucoup de chaleur. Donc vraiment un grand merci à vous qui êtes venus. C'était vraiment cool. J'ai plus les prénoms, mais on a rencontré encore plein de gens sympas, notamment il y a quelqu'un qui est venu, qui a fait 3 heures de moto avec son chien sur le réservoir. Super ouais. Sympa le gars et tout. Enfin voilà, vraiment c'est toujours des rencontres. On va le refaire ça. Pas tout le temps, parce qu'il y a des fois on est vraiment pressé, il y a des fois on a besoin d'être concentré parce qu'on en fait plusieurs dans la journée. Mais quand on le pourra, on essaiera de faire de temps en temps des épisodes un peu, on va dire, en public, où vous pouvez venir. Regarder la façon de travailler, mais c'est surtout regarder les motos qu'on essaye, parce que les vidéos franchement de RAF sont top, parce qu'il y a du raw, parce qu'il y a du ralenti, il y a du gros plan, il y a du plan large, mais quand tu es sur place, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, de voir la moto, de l'entendre surtout. Ouais. Je pense notamment à l'épisode de la Aprilia, je veux dire là, il fallait être là. Pour finir, ben, on se quitte avec le clip motocross le plus cher de l'univers. Ouais, un bel hommage sur une moto qui m'a fait rêver, qui a fait rêver tous les fans de la marque aux trois diapasons. Nous, ça a été un honneur hein, de faire un épisode sur celle-ci. On sait que ça, évidemment, que ça concerne ou que ça intéresse vraiment une toute petite minorité de personnes. Mais en tout cas, si on a pu vous faire plaisir à travers cet épisode, nous, on a pris notre pied. Hein. Oui, puis Pierrick, tu sais, moi, tu m'as converti parce que finalement, cette moto ne me parlait pas plus que ça, puisque c'est pas une période. Où j'étais trop intéressé à la moto dans ces années-là. Moi, je suis plutôt 2000, on va dire, à partir de 2000. Donc c'est sûr que là, bon, bah, sur le coup, tu me perds un petit peu quand tu me parles de 88. Mais je me suis pris au jeu, je me suis intéressé et je réalise aujourd'hui la chance qu'on a eue d'avoir cette moto. Bah, tu sais quoi, en échange, on essaiera peut-être la 4,5 sans manuel de James Stewart un jour. Ah ouais, celle-là, elle te plairait. Hein. Ah, celle-là, elle me plairait grave. Ah, exactement. Allez, fais-moi un beau clip, un bel hommage à cette blanche et rouge qui était incroyable.